Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis énervé parce que je vous commence un test 30 jours sur un produit de la marque Neutrogena qui s'appelle Correcteur de rides Express. Non mais le mot Express, on aime tout ça. Oui, je suis énervé parce que je vous commence un test sur cette crème-là et une des particularités, c'est qu'elle a une concentration. Une haute concentration en rétinol SA. Je vais vous lire c'est quoi rétinol SA, mais en gros, c'est génial. Et rétinol, c'est un de mes produits préférés. Si tu ne connais pas le rétinol, j'ai fait une vidéo sur Reversa au rétinol que je vous mets en lien. Et c'était une de mes crèmes préférées pour lisser ma peau, la rougeur. Allez voir ça, ça valait la peine pour vrai, là. Et là, ça, ben, ça me dit que ça a une haute concentration en rétinol. J'ai trop hâte de voir ça. Généralement, là, je vous dire, Neutrogena, c'est pas si cher que ça. Vous voyez, c'est 35,94 prix régulier pour 48 ml. 48. Toi, tu te dis, on va pas faire 50 comme toutes les autres. Moi, je te mets 48 ml. J'ai sauvé 2 ml. Ça, au bout de la ligne, ça me fait plus de peau. Ben, t'as le droit. Et 35,94, c'est son prix régulier. Tu peux sûrement l'avoir en vente. Puis quand tu l'as en vente, c'est 10 piastres de moins, ou etc. Fait que ça, c'est vraiment pas cher. Je vous lis un peu ce qu'ils disent. La crème régénératrice correcteur de rides express atténue jusqu'à 5 fois plus qu'un sérum anti-âge prestige. Pourquoi tu te compares à un sérum si c'est une crème? Compare-toi à une crème. Comme tu as des sérums dans ta gamme, compare tes sérums avec les sérums Prestige, compare ta crème avec une crème. Dis-moi qu'elle est meilleure qu'une crème Prestige, dis-moi pas qu'elle est meilleure qu'un sérum. Bon, mon avis personnel, mais bon, elle est meilleure qu'un sérum de marque Prestige. Quelle marque, on le sait pas, mais elle est meilleure qu'eux. Cette crème riche libère rapidement l'acide hyaluronique et la plus forte concentration de rétinol SA Advanced dans l'épiderme pour lisser l'aspect des ridules et gorger instantanément la peau d'ingrédients ultra hydratants. J'adore l'acide hyaluronique, vous adorez l'acide hyaluronique, elle aime l'acide hyaluronique, on n'a plus besoin d'en parler, on en veut de tout ça, mais le rétinol aussi on en veut. J'ai 33 ans, je commence à avoir des taches pigmentaires plus visible qu'avant. Mon grain de peau est irrégulé, j'ai la peau mixte, fait que mes pores sont dilatés. Du rétinol, là, ça me fait une exfoliation, c'est bon pour mes rougeurs, c'est bon pour tout, j'en veux maintenant. Avant, j'en voulais pas, maintenant, j'en veux. Donne-moi ça avec l'acide hyaluronique, j'aime ça. Elle atténue visiblement les rides profondes, les pattes doigts et les rides du front et des joues. Du front, oh my god, je suis tellement content! Ok. Rétinol SA, c'est quoi dans le fond? C'est une forte forme hautement efficace de vitamine A qui régénère de façon continue l'aspect de la peau. Rétinol, souvent, là, tu le tolères ou tu le tolères pas. Maintenant, il est vraiment mieux dosé qu'avant. Là, il est stable, mais c'est vraiment comme une acide. Hein. Ça fait une exfoliation. C'est une vitamine qui fait une exfoliation sur ta peau. Fait que, tu as toujours une peau plus fraîche. Elle se refait plus vite, dans le fond. C'est ce que j'essaie de dire. Complexe de glucose accélère le renouvellement des cellules de l'épiderme pour produire des résultats rapides. Et ils ont aussi de l'acide hyaluronique qui gorge la peau d'hydratation pour aider à la maintenir jeune. C'est bien, on aime ça. Tout ça à date, il n'y a rien que j'aime pas là, dans ce que j'ai lu. Application matin et soir. Bon, dans important, je voulais vous le dire parce que c'est marqué. Vous pourriez remarquer une légère rougeur, une sensation de picotement et de chaleur ou une desquamation. Ça, c'est une peau qui pèle. Ces effets sont normaux et temporaires. Ils indiquent que le produit agit. Moi, honnêtement, j'espère que ça va chauffer ou picoter parce que j'adore sentir que mon produit travaille. Et on va l'essayer de ce côté-là. Mes taches pigmentaires, là, ben vraiment ici, j'ai plus de rougeur que de l'autre côté. Puis j'ai plus de taches. Mes rides dans le front sont aussi profondes un que l'autre. Mais on va l'essayer. Là. Ok. Ça a vraiment une belle odeur. Ça sent bon.
Ça sent vraiment bon. Ça sent genre le shampoing. Puis est-ce que tu veux ça dans ta crème? Je suis pas sûr, mais ça sent vraiment bon. Ok. Alors, je prends de la crème. Mais de la crème. Oui, elle est riche. C'est une crème qui est riche, oui. Là, j'en ai mis trop près de mes yeux, là. Vite, 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 enlève. Comme l'odeur, là, A+. Ça sent vraiment très bon. Je vais en mettre un peu dans mon cou. Je prends pas soin de mon cou. Faut vraiment que j'en prenne soin. Ok, pour l'instant, ça picote zéro. Ça chauffe zéro. Je vais vous en donner d'autres nouvelles, mais première application, c'est pas désagréable, c'est un peu plus riche qu'une crème normale. Ça chauffe pas, ça picote pas. Moi, dans mon cas, je suis habituée de prendre des trucs anti-âge. Fait que peut-être que ma peau, elle est habituée et j'ai pas une peau sensible. Par contre, toi, si tu as une peau sensible et tu utilises ce produit-là, moi, ce que je te conseille, c'est de peut-être le faire une journée sur deux pour t'habituer. Genre, ta première semaine, une soirée sur deux, tu mets cette crème-là. Le reste du temps, tu mets ton autre crème habituelle. Une semaine après, si ça a bien été, toutes les soirs, tu mets cette crème-là. L'autre semaine après, si ça a bien été, bien, matin, soir. Mais commence tranquillement parce que tu ne voudrais pas non plus agresser ta peau. J'essaie de voir, là, j'essaie de me dire ça me picote dessus, etc. Mais non, du tout. C'est super agréable. J'aime vraiment l'application. L'odeur est délicieuse. Ma peau a l'air bien hydratée. Non? À date? C'est bon. On continue. Coucou gang, ça fait 30 jours que j'essaye pour vous la Neutrogena ou Rapid Wrinkle Repair Correcteur de Ride Express. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ça fait 30 jours que je l'essaie et je dois te dire que c'est un des produits que je suis en train de tester qui m'a le plus surpris. Je capote sur ce produit-là. Je te le dis, je capote. J'ai pris une photo la journée que j'ai commencé le test et j'ai pris une photo aujourd'hui, la dernière journée du test, et vous allez voir à quel point mes taches pigmentaires sont vraiment atténuées, là. Vraiment beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça a lissé ma peau. C'est vrai que ça marche, ce produit-là. Je capote. Et je vais te dire aussi pourquoi je capote. J'aime pas juste le pot. J'aime pas juste son prix, parce que si tu le pognes en rabais, c'est vraiment pas cher, mais l'odeur, oh my god, ça sent tellement bon. À chaque fois que je mettais ce produit-là, mon chum me disait « ça sent bien bon de la face ». Pour vrai, génial. Texture qui ne colle pas. Je n'ai pas, et je spécifie, je n'ai pas eu de sensation de brûlure ou de rougeur, de picotement. Ça m'est pas arrivé. Pourtant, eux disaient que c'était censé d'arriver. Moi, ça m'a rien fait de ça, mais c'était un plaisir de mettre cette crème-là à chaque jour et nuit. Je capote sur ce produit-là. C'est clair, je finis là. C'est sûr, sûr. Puis peut-être je vais aller me le racheter. Tu sais, j'en teste beaucoup des affaires, mais je l'ai vraiment, vraiment aimé. Je crois que tu devrais vraiment te le procurer si toi, tu trouves que tu as un
tu as des taches pigmentaires, un grain de peau irrégulier, je pense que tu pourrais vraiment aimer ce produit-là. En plus, c'est un produit que tu peux te procurer partout, il est grande surface. Go! Moi, je te dis, lâche-toi lousse, puis va te l'acheter. Tu vas voir, il vaut la peine, puis juste l'odeur. Juste l'odeur, tu vas me dire merci. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, mettre un pouce en l'air. Et sur ce, je te dis merci et bye!